Mario. Yeah.
comprends pas. Ah, ah bah ça doit être bon. Eh ben le vrai commentaire maintenant. Allez, let's go, ça commence. Du coup, on disait Olimar, mais... Mario, blablabla, bla, 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 ladder combo, blablabla, bla, bla, Pikmin, Violet, Up Smash. Écoute, c'est magie noire, mais. Ouais, là, ici. Vitch qui ride le drift in de Guillemot. Ouais. En fait, je pense même pas que c'est. Tu vois, sur une aide. Parce qu'en fait, il marche pas. Maintenant, c'est bon. En fait, Vitch, quand on regarde, il arrive très bien à changer son momentum. Le momentum de son jeu, il fait des arrêts nets. Et là, sur F-Smash, c'était quand même un exemple. Il a arrêté net, tu vois, il a chargé, il bougeait plus, il y avait plus rien. Et Gnodex, il dit c'est mon tour, tu vois. Mais un peu trop rapidement, et du coup, bah, il est tombé dans le F-Smash. Il a été cramé, quoi. C'est tout. C'est... Voilà, c'est feu plus Olimar égale barbecue. Yeah. Enfin bref, on repart sur la game. Ouais, du coup, 1-1 égalisation. TC, voilà, TC ici. Très bon choix de map pour Guimondas parce que le selling il est plus haut et du coup, Vitch tuera plus difficilement. Après, il faut voir que dans les games précédentes, Vitch il a jamais tué vers le haut. Ouais, donc est-ce que c'est réellement un bon choix? Ça, on dirait un counter-pick de Vitch en fait. C'est. J'ai pas envie de me faire un match par Olimar. Ouais, c'est ça. Ah, quoi, il a mis pas mal de up smash aussi, Vitch. Il a mis beaucoup de up smash, mais il a pas fait autant de ladder combo alors que c'est vraiment. Vitch, il veut pas finir ses ladder combo par des trucs qui tuent un low, mais par des forwarders en fait. Ouais, aussi des nerfs, tu vois, il fait souvent des nerfs pour reset. C'est ça. Pour reset et continuer à. Et puis ensuite enchaîner sur un ledge trap. Ou... Voilà, ici Pikmin bleu off stage. Et on va essayer de donner. Et il est gros le Pikmin violet. Il a bien tempo Vitch et du coup c'est pas fait. Ah, Vitch qui a fait ok. Il a tout bas spot dodge. Ouais, non, mais il a les bonnes reads. Et là, il y a Pikmin violet sur Fisher Vitch. Je vais faire pour s'en débarrasser. Ouh, le Pikmin violet, il a une carte très très mal. Voilà, Pikmin. C'est un grab du bleu. C'était un grab du bleu, ouais. Mais c'était du violet à 124 avec les DI out, il serait mort. Et là, tu vois, ouais. Là finalement, ça profite pas à Guimondas. C'est ça. Parce que il s'aurait tué sur les autres terrains. Voilà, et là. Guimondas, c'est bats-toi. Voilà, tu vois. Arrive, tu vois, ça, c'est une situation que Vitch arrive à créer parce que il fait beaucoup ses donners et qu'il sait que par l'inconsistance de ses donners, bah, les persos, ils ont envie. Enfin, les joueurs, ils ont envie d'esquiver pour se dire j'ai pas envie de me prendre un truc derrière et j'ai pas envie de me prendre une douille. Mais c'est une douille en elle-même parce qu'il voilà, attend. Forwarder, il veut pas faire ses ladders par le haut. Parce qu'on va pas tuer, mais en même temps, il s'en prie. Ouais, mais après, en fait, c'est logique parce que ça lui permettrait, s'il met le sweet spot et que le mec DI out, ça tue. S'il est proche de l'edge. Mais après, il y a aussi. Si ça reste un stage, ça reset la situation. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça reset la situation et après, bah, il peut remettre de faire. Et là, du coup, là, bah, en fait, on a vu la vortex pendant 20 secondes là, parce que c'est impressionnant. Et Guimondas ou le Sour Spot backer qui va être très dangereux. Oh et la cap, et du coup, Guimo qui prend environ 10% sur le. Guimo qui peut se prendre un smash, encore une air dodge directionnelle. C'est bien vénère ça, c'est bien vénère. Il y a quand même des gilets, mais manque de pression sur le zone stage de Guimondas ici. Ouais, c'est pas la première fois du coup qu'il se prend ça, mais. Mais bon, je crois quand même que je compte sur lui pour. J'ai confiance en lui. Et là, il a bien tank ça avec le sifflet, le backer de Vitch. Ça part de atterrir avec un forward air. C'est Olimar, c'est. C'est Olimar, non, non. C'est. Ça tourne mal. Là, on a eu. C'est bizarre. Ouais. Ah, Vitch qui veut. Ouais, il veut kill, mais. Malheureusement, pas d'excès. Il avait commencé son AB, mais non, il reviendra pas. Compliqué à Edgar ici. Il y avait tout le momentum de Monas. C'est ce que j'aurais à dire, voilà. C'était compliqué. Ça, non, mais on a vu un momentum de ouf sur la Dem Stock. C'est Vitch qui a tout fait. Il était à 10% de manière combien, globale. Vitch a le momentum du match. Par contre, Guimondas il connaît ses follow-up, il connaît ses phases, etc. Ce qui fait qu'il raque beaucoup de dommages. En plus de ça, il y a le Pikmin, notamment le Pikmin blanc qui permet de prendre beaucoup de dégâts. Ce qui fait que les pourcentages s'égalisent. Mais voilà, après c'est probablement parce que Guimondas il arrive à trouver up smash pour la nature. Mais écoute, il a juste read ce sifflet. Hein. J'ai l'impression que. Parce que finalement, dans le gameplay de Vitch, il a. Non, on n'entend pas. Il a pas mal de read dans son. Il détruit.
Vitch fait pas mal de petites rides dans son... Il fait pas mal de petites rides dans son avion de tête. Et c'est ce qui avantage beaucoup. Et ça, il y a plein de moments, c'est pas aussi des rides, mais c'est juste qu'il tente de faire le kill qui est trouvé par Gildas maintenant. Et l'uniquement, tu penses à Sénia qui a quand même réussi à bien garder finalement le track, parce que dans ce match-up, ça se joue de manière assez complexe. Onimar est bien sûr à garder le track, le gars qui peut trouver ses problèmes, alors que Mario, lui, il peut garder un constant advance essay pour mettre la pression dessus. Et là, du coup, il va devoir vraiment changer de style de l'arme. Il peut plus faire son glitch. Il va devoir changer de. Il a pas trouvé ce c'est parti. Il a Il a mis 20. Ouais, il a mis tellement de pourcents facilement. La Gymnase, c'est mieux qu'il fallait. Il fallait le titre parce que la rage, là, tu vois, TC a presque. Parce qu'il y avait la plateforme TC qui a. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas tout le temps là. Elle est pas tout le temps là. On a un petit peu. Tu vas spot dodge. Non, en fait, c'est maintenant. Il a voulu le pari. Il a vu qu'il voulait le charger. C'est ok. Tu veux juste attendre sur le fais chier. On va rester. Il a aidé Guimon. Il sauve Guimon encore. Il voulait que Guimon rock. Mais le backer. Là c'est voilà, Mitch a eu le momentum et c'est du coup il y a 30% gratuit. Si vous haïssez Olimar dans le jeu, vous n'avez pas Olimar. Est-ce que vous pêchez une nouvelle part de Gimonas ici hein. Si je le laisse pas revenir sur terre, bon Mitch par contre voilà, il avait pari, il était à la limite de la zone. C'est joué à rien de plus. Ça te frame beaucoup. Ouais mais ici en fait c'est un peu le vert. Il a voulu quand ouais, il a voulu. Il avait le violet donc c'était il a trouvé la vie. Ouais, le flood, je crois. Il prend les dégâts. Là, et il a joué pas. Vitch il a clairement cherché le kill là. Le violet qui sauve quand même un peu Guimondas. Tu vois des donneurs. Ouais, le up smash, il a commis sur ce up smash. Hein. Et on égalise à 2-2. Et tu vois, là où Vitch, c'est avec ce donner. Il fait le donner et il va sur très très vite. C'est assez difficile à punir parce que Mario il est quand même pas si flûte. Il faut. Ça marche pas. Genre, Est-ce qu'il faut manger le micro comme ça? Je suis désolé. Pourquoi il y a 1000 trucs d'activer aussi? Là, j'ai en train de niquer le stream en fait. En fait, il y a plus le son. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, vu que t'as désactivé le truc là tout à l'heure. J'ai activé un truc. Oui, tu sais, l'HDMI. My bad. Et non, moi ça va plus. On va voir. Ok. On a bourriné le micro. Bon, désolé pour ce problème technique qu'on commentait dans le vent encore une fois, c'est dommage hein. C'est les chaises à roulettes quoi. Les chaises c'est con. Enfin bref, on repart sur TC. Ouais, je crois. Il me semble avoir vu TC. Écoute, ça me paraît plus vite parce que Smashville sera pas le terrain qui sera pris, c'est sûr. Parce que s'il part sur Smashville, Guimondas ça va être assez compliqué pour lui. S'il joue pas mal avec le pick violet. On repart sur TC. J'ai vu la plateforme Smashville. Smashville, elle met la plateforme arrive par la droite normalement donc. Oui. On est safe. Guimondas c'est un jeu très posé. Voilà, il joue très au sol. Il a compris que Vitch il cherchait les startups de combo en cachant les sauts. Mmh. Et après c'est normal, tu vois, il conditionne avec ses boules de feu hein, à sauter. Voilà, encore une fois. La très bonne décision de la part de Guimondas, malheureusement c'est quand même fait pénard, mais pas autant qu'à Smash.
Guimau qui a chopé le grab, mais à la microseconde où Vic a lancé, c'était impressionnant. Et là, Vic qui joue très bien en fait en l'air, il sait pas juggle, il met ses boules de feu, il se fait pas punir pour ça. Et il veut mettre la pression, il arrive. Il volait si c'était bien. C'est ça. Et là. Ah, dommage. Il a été. Manque un peu de portée avec le vélo. Ouais, un peu de portée. Ah, voilà. Et c'est le donner qui a tué. Enfin. Et c'est enfin. Ce donner, tu vois. On n'arrête pas d'en parler et Vic y arrive très bien. Et c'est le taunt. On a eu un taunt là. De la part de Vic. Le petit taunt. Je n'ai pas vu. C'est méchant. Et là. Non, on est là. Est-ce que le taunt va lui porter chance ou est-ce que ça va booster Guimau? Bah écoute, pour le moment, ça a l'air complètement d'être du taunt touche de body. Mmh. Ouh, t'as vu là où il est. Il a failli mourir du flood. Le flood à ne pas négliger. Hein. Bonne roll ici. La bonne roll. Malheureusement, pas assez réactif sur cette roll. C'est ça. Il manque des Pikmin là. On a les 3 Pikmin à la Trinité. Les 3 du départ là. Voilà, on trouve okay, le jab fait. Okay, genre, on essaie de catch la DI in. Mm-hmm. Alors on rebalance les Pikmin, non? C'est ça. Le up smash qui est safe. Là, il a eu la bonne décision. Il recule, hein. Il a envie de. Oh là là. Le Pikmin jaune qui a tanké la boule de feu puis a tapé Vic. C'était. Ouais, ça. Oh, la plateforme qui a peut-être tué Guimau. Encore une fois. Bon, on est quand même. Tonight City qui. Sur. Qui est un peu biaisé, j'ai l'impression. De la bonne douille, hein. Je sais pas vous, mais personnellement, là. Je trouve qu'on est sur de la douille de fusil à pompe quand même. Ça se pose là. Du coup, on est plus sur la douille en fait, on est sur la cartouche carrément. Mais là, clairement. Mais tu vois là, ce juggle, Vich il a un juggle impressionnant là, avec ses donners. Et enfin, il a fait un up B. Il a risé plein de fois. Oh là là. Et ça pue. Ça Guimau qui a sifflé, mais qui a pu. Oh là là, et la, le flood qui a permis de tuer. Dommage. J'espère que. Tout simplement, le problème du micro n'a pas déconcentré parce que sinon je m'en voudrais beaucoup. Du coup, on va avoir la loser semi. On va avoir la loser semi entre Mika. Entre Mika et Nofol. Et le gagnant de ce match affrontera le Guimaudas. En vrai, Guimau, je sais pas pourquoi t'as pas essayé de parler au bout du feu, tranquille, tu vois. Comme ça, tu restes au sol et tu restes avec un jeu au sol. Parce que ton jeu au sol, il est meilleur que celui de Mario. Ton jeu au sol avec Mario est meilleur que celui de Mario, non? Ah bon, ben moi je dis first. First. Arrête l'enregistrement si t'as pas envie.